Bonjour à tous et à tous, c'est Jack. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Tour de France 2014. On va commencer un mode pro team comme vous l'avez vu dans le titre. Allez, sans plus attendre, on va commencer. Alors je vais recommencer nouvelle partie, comme ça je vais commencer avec vous en live. J'ai fait une petite partie pour voir comment c'était, hein, pour pas partir dans l'inconnu en vidéo. Donc on va choisir le maillot. Alors le maillot, bah écoutez, on va prendre. J'aime bien le maillot orange. J'aime bien le maillot orange. Voilà, on va jouer avec le maillot orange. Donc la team, on va l'appeler. Bon allez. Comme mon club sur FIFA, sur FUT, et comme mon club dans la vraie vie de foot, on va croire qu'ils vont s'être mis. Enfin, on va croire qu'ils font du vélo. RS à Manvillé, voilà. RS à Manvillé, nickel, parfait. Bon, on s'en fout un peu du nom. Alors. Une nouvelle version commence, 9 joueurs, ok, machin. Donc, on va commencer. Alors, frère Pinger, Phil Freras. Bon, on verra bien ce que ça a donné. En sachant que je vais essayer de faire 2-3 étapes par épisode. Après, je vais voir comment ça va se passer durant cette vidéo. Combien de temps je vais mettre pour jouer. Alors là, on va faire pas un Tour de France complet parce que je pense que je vais mourir avec les coureurs que j'ai. On va faire les étapes qui sont sélectionnées là. Il y en a 3, 4, 5. Il y en a que 5, donc c'est plutôt cool. RB. Voilà, donc là, c'est une étape pour les sprinters. Une étape pour les punchers, plutôt. Ok, ok, bon, on verra bien. Suivant, allez, hop. Alors, nous avons Guidon. Bon, on n'a pas le choix, de toute façon. Remplacer. Ah ouais, non, si, on peut remplacer. Remplacer par qui? Attendez, il y a le bouton pour remplacer, mais je vois pas. Comment on peut remplacer? Ouais, bah, je crois que j'ai pas de... Ah si, ok, ok, on peut remplacer, donc... Alors, en sprinter, nous avons lui, Marnier, sprinter de 36 ans, Mandivo, 37 ans le sprinter. Ok, Paro il a quel âge? Paro il a 29 ans, Marnier. Oh là là là. Bon, on va prendre lui parce qu'il a... Attendez, sprint 69, ok, 69 c'est la même chose. Résistance 75. Ouais bon, bah écoutez, on va rien remplacer du tout. Attendez, excusez-moi. J'ai juste regardé si là il n'y en a pas des meilleurs. Ah là il y a quand même un 72. Avec en montagne 70. Ouais, on va le mettre quand même pingé parce que ouais, il a 72, il a 39 ans certes. Allez, non, attendez, remplacer. Ouais, Guidon il en avait 26 quand même. Bon, attendez, il a 26 ans. Ferreras, ouais, je vais mettre lui aussi. Allez, on va partir. Eux, c'est quoi? Eux, c'est des montagnards, je suppose. Non, même pas. Bon, bref, on va jouer comme ça. Allez, hop. Voulez-vous, souhaitez-vous sauvegarder? Oui, on va sauvegarder. Écoutez, hop là, emplacement vide, nickel. Finir dans les 40 premiers du Tour de France avec Pinger. 12,5 millions, comme on peut voir en arrière-plan. Finir dans les 15 premiers du classement général par points avec Eyo Fur, 12,5 millions. Donc ça, j'aurai un peu de mal, mais on verra bien. Finir dans les 15 premiers du classement général de la montagne avec Bruggevin. On va essayer Bruggevin. Faut que je me retienne un peu les noms. Du classement général de la combativité Monedo. Ok, on va jouer comme ça, Monedo. J'ai retenu un peu, vite fait. Alors, c'est un profil pour les sprinters. En sachant que celui qui gagne, il aura le maillot vert. Le maillot jaune et le maillot vert, je pense. Donc, on va envoyer Monedo dans l'échappée. On va essayer, du moins. On va prendre ça pour l'endurance, clac, et on va en prendre deux. Écoutez, on va prendre ça, lancer la course, c'est parti. De toute façon, je compte pas attaquer, mis à part pour sprinter. On va jouer le sprint intermédiaire avec Eyo Fur, là, ou je sais plus quoi, et le sprint final, je pense. Alors, je verrai, je pense faire deux étapes seulement par vidéo, parce que là, je vois qu'on est déjà à 4 minutes. Je verrai bien, je pense que je vais jouer en live et puis on verra bien au fil du temps combien d'étapes je vais faire. Hein, en sachant de faire des vidéos aux alentours de 15-20 minutes, ça serait plutôt cool. En sachant qu'il y a pas mal de cols lors des prochaines étapes, donc on verra bien. Allez, contrôle du coureur, donc je vais faire les... Donc comme vous voyez, je vais commencer un pro team et en attendant, je vais continuer le Tour de France avec la Movistar. Donc c'est vous qui avez choisi la Movistar, donc on verra bien ce que ça va donner. Donc finir dans les 25 premiers de l'étape, c'est possible. Dans les 25 premiers du maillot vert, c'est possible, tout est possible. Allez, faut vraiment qu'on envoie Menedo dans l'échappée, ça serait... Ou je sais plus comment il s'appelle.
Ça va être Monet d'Edo. Ok, Monet d'Edo. On va l'envoyer dans l'échappée, c'est parti. Ça roule quand même. Hein. Ouais, c'est pas non plus très relâché le peloton. J'espère qu'ils vont me laisser partir. Ouais, vraiment, j'espère qu'ils vont me laisser partir. Je vois que ça attaque. S'ils me laissent pas partir, tant pis, je simulerai. J'essaierai de trouver peut-être un meilleur moment pour attaquer. Mais là, j'ai l'impression qu'ils me laissent pas partir. Ouais, on a dans ma roue. J'arrive pas à voir les noms. C'est un truc, ça m'énerve. Monet d'Edo, petit Bennett. Engoulevent. Ok. Ouais, les gars, ça va pas partir, ça part pas. L'échappée ne part pas, on va mettre avance rapide. Regardez-moi ça, on n'arrive pas à partir. Quoique. Hey, mon joueur, il y est plus. Bennett, Devolder. Hey, mon joueur, il y est. Ouais. C'est bien ce que je disais. On se fait rattraper, vite fait. Ouais, regardez-moi ça, le peloton qui ne laisse pas partir d'échappée, c'est quand même assez fou. Si là, il y a une échappée qui est partie avec le moine James Volt et David Millar. Bah, j'ai pas réussi à la prendre. J'ai pas réussi à prendre l'échappée. Et encore, regardez-moi ça, l'écart qui diminue. Ah non, l'écart qui. Ouais, l'écart qui reste. C'est dommage. Il y a une deuxième avec Mendes qui part. Ah, j'aurais peut-être dû essayer de. Ah. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, j'ai pas réussi à choper l'échappée du jour. Ouais, j'ai pas réussi. Ah, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Bon, tant pis, ce n'est que partie remise. Encore un autre coureur qui s'en va. Non. Bon, en plus, l'échappée n'est pas très. Ouais. L'échappée ne prend pas beaucoup d'avance non plus. Quoique là, ça augmente quand même un peu. Donc, je pense que je vais jouer le sprint avec Eyjolfur. Et je changerai directement après de personnage pour jouer avec. Avec Monet d'Edo et essayer de partir dans l'échappée. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, prochain sprint dans 7 km, merde, j'avais pas vu. Donc, on va changer de coureur directement pour jouer avec Eyjolfur. Donc, le sprinter suédois. Alors, Eyjolfur, il est où? Il est où? Il est là. Allez, on est sur grand plateau déjà. C'est bizarre. Ouais, le peloton qui avance vachement vite. Dans ce Tour de France, j'ai l'impression que c'est plus dur de partir dans les échappées. On voit les coureurs de mon équipe, donc l'équipe orange qu'on ne peut pas louper, qui est assez bien placée dans le peloton. C'est cool. On va essayer de se placer là et puis ensuite de se protéger du vent. Hein, c'est le mieux. Et on va essayer de faire quelque chose durant les sprints intermédiaires. Parce que si je veux bien figurer dans le classement du maillot vert, étant donné que mon sprinter il est nul à chier, hein, faut dire ce qu'il y a, c'est qu'en pro team, vous démarrez avec des coureurs qui sont vraiment nuls. Mais j'espère que par la suite on arrivera à obtenir des très bons coureurs. Et ça serait vraiment cool. Donc je vais tout miser sur ce sprint intermédiaire. Hein, on va tout miser là-dessus. Alors que là il y a vraiment un coureur rouge, je sais pas c'est quelle équipe, qui fait vraiment le boulot. Ah, si j'appuie sur la flèche du haut, j'ai des données sur le coureur qui est devant moi, je crois. Ouh, ça va vachement vite, ça va vachement vite. On essaie de bien se placer. 1,7 km. Ça commence à sprinter, il me semble. 1,6 km, c'est bon. On va commencer à sprinter. Ouais, je pense que j'ai sprinté trop tôt parce que mon sprinter, il est à chier. Oh là là, ouais, j'ai sprinté largement trop tôt. Oh là 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 là. Allez, Yofur, allez. Oh là là, je me fais bouffer, je me fais bouffer, c'est normal. Je pense. Ah, même pas troisième. Démarre qui est vachement bon. Démarre qui est vachement bon. Quatrième. Oh là là. Bon, on a fini 9e. On a déjà empoché 7 points. C'est. Ouais, c'est bof. C'est bof. C'est bof. C'est très très bof. Monet d'Edo qui n'a plus de barre rouge. Donc ça sert à rien. Je voulais attaquer avec lui. Mais on peut même pas. Ouh, on va avoir du mal dans ce pro team déjà à faire quelque chose lors de ce premier mini Tour de France. Vu qu'on n'a pas joué toutes les étapes. On va avoir du mal. On va avoir du mal. Alors que là, j'ai vraiment envie de jouer. Et de tenter de partir dans l'aventure avec Monet d'Edo. J'ai vraiment envie de tenter quelque chose. Monet d'Edo. Allez, contrôler. C'est parti. Ce qui est bien, c'est que mon équipe est très très bien placée. Donc c'est cool. Ouais, là, les. Ah ouais, à ce que je vois, les. Le peloton est au ralenti, donc c'est le bon moment pour passer une petite attaque. Allez hop, Monet d'Edo qui s'en va. À 80 km de l'arrivée, on va peut-être tenter quelque chose. C'est la meilleure solution. En plus de ça, il faut qu'il termine ce Tour de France en tant que. Meilleur au classement de la combativité, donc ouais, on va tenter ça, on va tenter ça. Allez, voilà, on va simuler, avance rapide, et j'espère qu'on va tenir, voilà, on va tenir. On est
On se rapproche, on est de. Regardez-moi ça. Un coureur, 50 secondes du premier, et c'est bien, on va rattraper la tête de course. Et comme ça, j'ai un coureur dans l'échappée, c'est bien, c'est le principal. À 10 secondes maintenant, 6 secondes, voilà, c'est bien. On a Monedo dans l'échappée. On va. De toute façon, lui, je vais le faire attaquer à toutes les étapes, hein. C'est un truc primordial. On va vraiment le faire attaquer tout le temps. Ouais. Monedo, 5 coureurs, 60 km de l'arrivée, 3 minutes 45 d'avance. Si on pouvait jouer à la victoire d'étape avec Monedo, ça serait vachement cool. Ça montrait en plus de ça la réputation de mon équipe avec une première victoire pour la première étape dans un Tour de France. Monedo, 3 minutes 50 km. Ah là là là, on va avoir peut-être du mal. On va pas se le cacher. Limite, peut-être que je vais faire qu'une étape par épisode parce que je vois que c'est assez long. C'est assez long. En plus de ça, je pars en vacances, du coup, je vais vous préparer des vidéos d'avance. Et comme ça me ferait pas mal de vidéos, même si ça dure que 10 minutes, pour continuer à avoir un peu d'activité sur ma chaîne. Et de toute façon, mon pro team, il va courir sur toute l'année. Je sais pas combien de saisons on peut faire, mais ouais, je pense qu'il va courir un peu toute l'année, mon pro team. Donc voilà, donc c'est normal, on va débuter assez mal, on va dire. Ouais, on va débuter pas très bien. Alors que là, à 20 km de l'arrivée, on va jouer. 20... Une minute d'avance, on va essayer de jouer avec Monedo. On va essayer d'attaquer et de courir à fond. Parce que là, ouais. Parce que là, c'est très important. Annuler. Allez, hop, c'est parti. On va dire aux autres, sélectionner, 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 sélectionner. Non, pas sélectionner Yofur parce que faut pas le fatiguer. Voilà, sélectionner, valider. Tempo, rester dans son groupe. Suivre les attaques, m'attendre. Ah, lancer le sprint. Ah, on peut pas. On peut pas gérer le... Gêner les relais, voilà, gêner les relais. J'ai dit à mes coureurs de gêner les relais pour. Allez. Allez, Monedo qui attaque. Grand plateau, faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose de toute façon. David Millard qui suit. Ils suivent tous. Mais au moins, on perd pas beaucoup de secondes. Je vais rester sur mon grand plateau. Ouais, est-ce que je vois? Ouais, non, ça prend pas beaucoup. James Hoyt qui prend. Qui attaque. Ah ça suit, ah ça suit. Ah je peux pas attaquer, j'ai pris mon ravitaillement. Oh c'est oh le con. Si si on peut, on peut, on peut, on peut tranquillement, on peut. Par contre le groupe là du coup on va tous être crevés, ça va... on va avoir du mal à attaquer, à sprinter. 16 km de l'arrivée, 1 minute, tout est possible, tout est possible. De toute façon je passerai ensuite sur... Voilà, je vais essayer de suivre histoire de de reprendre un peu d'énergie. 1 minute, 15 km de l'arrivée, ça va être vraiment tendu. Donc là, je ne ferai pas de deuxième étape. On va vraiment jouer celle-là à fond. C'est pour ça que j'ai joué avec 20 minutes, avec 20 km encore. 1 minute, l'écart qui descend. L'écart qui descend. J'espère que mes coureurs y suivent bien. Ouais, ils arrivent bien à gêner les relais. On va passer sur le grand plateau encore une fois. Allez, on va relancer un peu tout ça. Même si je m'épuise beaucoup, si on pouvait terminer dans le groupe des premiers, ça serait vraiment cool. Allez. Allez, 40 secondes d'avance. Ah, ça descend, ça descend. Je pense que le peloton aussi s'est mis sur le grand plateau. Mes coureurs, j'espère qu'ils gênent vraiment bien les relais. 40 secondes Oh, 40 secondes, les gars. 40 secondes. Faut au moins arriver avec 30 secondes à 3-4 km de l'arrivée. Parce que sinon, avec les sprints, quoi qu'il arrive, on va se faire rattraper. Allez, j'espère que David Miller va prendre les relais un peu. Non, personne ne va prendre les relais. Personne ne va prendre les relais à mon tempo. Eh ouais, ça avance pas, ça avance pas, ça avance pas bien, ça avance pas bien. 24 secondes, 24 secondes, 22 secondes, ouais, ça me semble mort. Alors qu'il y a une chute, il y a une chute, à noter la chute. Allez, on va tenter encore une petite échappée. On va tenter de partir, 12 secondes. L'échappée qui est là, ouais, non, c'est mort. Le peloton qui est juste là. On va changer de coureur, on va passer sur... changer, voilà. Oh, il y a une chute! Oh, la chute! Oh, il y a mes coureurs qui sont tombés! Il y a mes coureurs qui sont tombés! Il y a des coureurs qui sont tombés! Ouh, j'espère qu'il y a des sprinters qui sont tombés! Ouais. Alors que là, ouais, il y a Peter Sagan qui vient de tomber. Ouh, la grosse chute juste devant moi! Heureusement que mon coureur n'a pas été pris. J'ai vu des coureurs de mon équipe qui ont été pris. J'espère que mon leader n'a pas été pris dans la chute. On voit les coureurs qu'ils attendent. Ouh là là! Ouh là là là! Et puis alors, eux, ils attendent pas devant. Hein. Ils attendent pas. Vincenzo Nibali, pareil. Oh, il y aura beaucoup de leaders. Il y aura beaucoup de leaders.
qui seront pas bons, qui seront, ouais, qui seront morts, qui vont perdre beaucoup beaucoup de temps. Ça se relève là tout juste. Ouais, mes coureurs orange qui attendent mon leader. J'espère que c'est pas mon leader qui est tombé parce que là ça serait vraiment bête. Allez, oh faut qu'on revienne. Faut qu'on revienne sur le groupe de devant au moins pour participer au sprint, les gars. Allez, ouais, je muse là, je muse. Oh non, 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 la chute qui m'a qui m'a empêché de courir, de prendre les coureurs de devant. Ah, je suis loin. Et il y a Christopher Froome dans le groupe. Il y a, ouais, y a Contador, il y a tout ça, mais moi je suis pas là. Je suis pas là. Et je suis loin de les rattraper. Oh là là, je vais pas réussir à les rattraper. Oh, c'est dommage. Et ils sont plus de. Ouais, c'est mort, c'est mort. J'arriverai pas à gagner cette étape. Et encore moins. Allez, au moins eux, faut qu'on les graille. Eux, faut qu'on les bouffe. Allez, 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 mon pote, faut que t'arrives à terminer dans les 15 premiers. Ouais, non, j'arriverai pas, j'arriverai pas, j'arriverai pas. Ouais, il est mort. Et au fur et à mesure, bon, si j'avais eu vraiment un meilleur coureur, je pense que j'aurais pu faire quelque chose. Ouais, Cavendish qui s'impose, il n'a pas été pris dans la chute. Ouais, mais beaucoup de gens ont été pris dans la chute, c'est fou ça, c'est fou. Allez, faut que je termine dans les 15 premiers. Allez, 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 faut que je passe devant lui. Je sais pas combien j'ai fini, mais espérons dans les 15 premiers que je prenne déjà un peu de points pour le maillot vert. 17ème. Bon, 17ème. En plus de ça, j'arrive assez loin de Mark Cavendish. Ouh là 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 là, il va y avoir déjà des écarts lors de cette première étape. Finir dans les 25 premiers. Ah non, c'est dans les 25 premiers. Bon, bah c'est bien. Classement de l'étape, ok. Classement par points, je suis 18ème. Classement de la continuité, 5ème avec Monedo. Réputation, ok. Suivant. Alors, on va voir tout ça. Alors, est-ce qu'avec la chute sur. Non, il n'y a pas d'écart. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'écart. Ouais, il n'y a pas d'écart. Donc, c'est nickel. Mon leader qui est. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Je sais plus. Je sais plus c'est quoi mon leader. Bon bref, c'est pas grave. Donc pour ce qui est du classement du maillot vert qui était très en vue aujourd'hui, nous sommes assez loin. Nous sommes 18ème. On n'a que 7 points. Mark Cavendish en a déjà 56. Donc on est bien loin. Faut qu'on aille dans les 15 premiers. Le 15ème à 10 points. Donc c'est tout est possible. Tout est possible. Classement des meilleurs jeunes, Bettencourt premier, ok. Bettencourt, comme c'est marqué. RSA Manvillé, 10ème. Ok, d'accord. Classement de la combativité. Monedo, faut au moins qu'on arrive à gagner ce classement. Voulez-vous sauvegarder? On sauvegardera après quand on aura, quand je vous aurai quitté. Donc, Pingé, bah ok, bah non, bah il n'y a rien eu. Ouais, Pingé qui n'a pas été distancé, c'est lui donc mon leader. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, on se retrouve ben, dans quelques jours. Pour la suite de mon tour avec la Movistar et pour l'épisode 2 de mon Pro Team. Sur ce, c'est un Jack Killer. Passez une bonne journée. Ciao tout le monde!